deux dimensions. La première, c'est le retrait de confiance totale du président du Sénat, M. Modeste Bahati, et de son bureau tout entier. La deuxième dimension de ma présence ici, c'est d'annoncer, je viens de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bahati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait 2 ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bahati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukolo-Nkonkecha, se permettent de fouler au pied la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde. Se permettent de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied tout simplement parce qu'on veut éliminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret. Les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président Tshisekedi qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République, et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bahati. C'est dans le but de m'éliminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution, utilise l'institution Sénat, utilise le bureau du Sénat pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est juge et parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui il se bat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union Sacrée, vous le savez. Et donc de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ce pays depuis 1960. Mais ça fait 2 ans que je supporte cela. Mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la constitution de la République. Mais le président du Sénat, il foule aux pieds les règlements intérieurs du Sénat, il foule aux pieds la constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Mais pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi doit-il utiliser l'institution? Vous le savez, madame, mesdames et messieurs de la presse, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire contre M. Matata. Vous le savez, non? Ce n'est un secret pour personne. Vous pouvez vous imaginer le président du Sénat, en complicité avec, le procureur général, s'arrange quand on ferme le Sénat le 15 juin, le 16 juin, son ami personnel vient déposer la lettre pour qu'on lève les immunités de M. Matata. Est-ce que ça, c'est encore un Sénat? Ce n'est plus un Sénat. Ce n'est plus un Sénat et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions de plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins
vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet, près la Cour de cassation, un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo.